this cinema scene will be presented in French with subtitles in Arabic, Olasiz Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour charmants téléspectateurs et bienvenue pour Scène de cinéma. Aujourd'hui, nous irons au Sénégal pour découvrir les œuvres de l'un des plus grands cinéastes d'Afrique, Djibril Diop Mambéty. Djibril Diop Mambéty a connu un succès international pour son originalité, notamment dans sa technique de cinéma expérimental qui intègre la tradition orale africaine, l'utilisation de récits non linéaires et un style spontané peu conventionnel. Une fois, il a expliqué: je pense qu'un réalisateur doit aller au-delà d'enregistrer des faits. En outre, je crois que les Africains en particulier doivent réinventer le cinéma. Djibril Diop Mambéty a fait de sa ville natale Colombane, près de la capitale Dakar, le cadre remarquable de nombre de ses films. Il a souvent intégré symbolisme et spiritualité dans ses œuvres, qui constituaient un hommage à l'Afrique. Ses productions ont été un moyen pour lui de parler de diversité et de partager son point de vue sur les conditions politiques et sociales de son continent natal. La Canadienne Sheila Petty, professeure de cinéma et docteur, a déclaré: contrairement à d'autres cinéastes africains de la fin des années 1960 et du début des années 1970, dont les films s'articulaient autour du discours essentialiste nationaliste, axé sur l'opposition binaire entre valeurs africaines et aliénation culturelle, Mambéty cherchait à exposer la diversité de la vie réelle. En mémoire de son décès il y a 12 ans, le 23 juillet, explorons trois de ses grandes œuvres écrites et réalisées par Djibril Diop Mambéty: Badou Boy, Le Franc et La Petite Vendeuse de Soleil. Badou Boy fut la deuxième production de Djibril Diop Mambéty, réalisée en 1970. Le court-métrage qui met en vedette Lamine Ba et Al Dembassis dépeint une caricature de la vie quotidienne dans la capitale animée de Dakar, tandis que les téléspectateurs sont pris dans une course-poursuite entre Badou Boy et la police. Badou Boy est un jeune garçon espiègle que Djibril Diop Mambéty décrit comme un gamin un peu immoral qui me ressemble beaucoup. Pauvre jeune homme, luttant pour survivre, Badou passe souvent son temps autour des autobus de la ville. Un jour, un policier corpulent, surnommé le Dragon Noir, affirme que Badou est une menace pour la société et commence donc à poursuivre le garçon. Obligé de fuir, Badou Boy monte dans un autobus de ville avec des passagers pleins d'entrain et conduit le policier dans une joyeuse poursuite à travers la ville haute en couleurs. Le montage libre de Djibril Diop Mambéty sur des situations improbables et les personnages animés sont un hommage à l'esprit des films muets. Le film explore la société sénégalaise contemporaine de façon honnête, mais selon un mode coloré et humoristique. Encensé par la critique, le film a été salué comme un classique découvert tardivement. Il a gagné le prix Tani d'argent en 1970 lors du Festival du film de Carthage en Tunisie et la médaille d'or lors du marché international du film et du multimédia MIFED de 1971 à Milan, en Italie. Tout en constituant un divertissement amusant, Badou Boy est aussi une réflexion de Djibril Diop Mambéty sur l'utilisation du pouvoir et les tribulations rencontrées par les gens marginalisés, un thème sur lequel il reviendra dans ses autres œuvres. Suite à la réalisation de Badou Boy, Djibril Diop Mambéty a tourné son premier long métrage, Tuki Buki, en 1973. Le cinéaste respecté a dit: nous sommes finis si nous échangeons notre âme contre de l'argent. C'est pourquoi l'enfance est mon dernier refuge. Vous regardez Scène de cinéma. Ici sur Supreme Master Television. Nous serons de retour après ces brefs messages. De retour dans Scène de cinéma. Aujourd'hui, nous présentons l'un des plus grands cinéastes du Sénégal, Djibril Diop Mambéty.
Au moment de son décès, Djibril Diop Mambéty traverse une trilogie de courts-métrages intitulée « Histoire de petites gens ». Il a dit « Je suis intéressé par les personnes marginalisées parce que je crois qu'elles font plus pour l'évolution d'une communauté que les conformistes. » Sa série dégageait un espoir pour l'avenir du Sénégal et de l'Afrique par le courage de ces petites gens, que Djibril Diop Mambéty décrivait comme les seules personnes vraies, cohérentes et non affectées dans le monde, pour qui tous les matins apportent la même question. Comment préserver ce qui est essentiel pour elles? Le premier volet de la trilogie est la production Le Franc, de 1994. Ce film suit un musicien défavorisé et Salé Poula suivi au moment où le franc CFA, franc de la communauté financière africaine, a été dévalué de 50%. Le protagoniste est Marigo, qui réside dans un bidonville. Bien qu'il soit musicien, sa logeuse a confisqué son instrument Kongoma parce qu'il n'avait pas pu payer son loyer pendant 2 mois. Constamment harcelé par la femme redoutable, Mario se nourrit uniquement de ses rêves sur ses jours d'insouciance où il pouvait jouer du Kongoma. Au centre communautaire, la radio invite les habitants à participer à une loterie comme moyen de surmonter les ravages causés par la dévaluation monétaire. Encouragé par le vendeur omniscient de billets de loterie, Marigo décide d'acheter le numéro 555. Et voilà que Marigo remporte le gros lot. Toutefois, récupérer sa récompense s'avéra plus difficile que prévu. Une comédie farfelue et attachante, Le Franc, est une satire des contradictions sociales et économiques. Bien que n'étant pas un acteur de profession, Diaye Madia réalise un travail estimable dans sa représentation humoristique et poignante de Marigo, qui est plein d'imagination. Sa spontanéité et ses plans plutôt absurdes sont construits à partir de techniques de cinéma expérimental de Djibril Diop Mambéty. La fable musicale est pour le cinéaste le moyen de commenter l'attention excessive du monde à l'économie qui récompense ou entrave les gens sur la base de la chance, à l'instar d'une loterie. Le film souligne aussi l'importance d'avoir un regard optimiste sur la vie pour envisager un avenir meilleur. Parti trop tôt en 1998, Djibril Diop Mambéty était alors en train de réaliser la post-production de La Petite Fendeuse de Soleil. Destiné à être le deuxième volet de sa trilogie, Histoire des petites gens, la première du film a eu lieu à titre posthume en 1999. Considérée comme la création la plus optimiste du cinéaste, La Petite Vendeuse de Soleil suit la courageuse jeune fille Silly, jouée par Lisa Balera. Silly est une mendiante physiquement handicapée, mais elle dit résolument à sa grand-mère aveugle qu'elle trouvera un emploi. Déambulant dans les rues avec ses béquilles, Silly observe un groupe de garçons autoritaires vendant un journal intitulé Soleil. Elle décide de faire le même travail, bien qu'elle soit la seule fille à le faire. Dotée d'une aura admirable, Silly connaît rapidement le succès, suscitant la jalousie des garçons. Avec confiance, elle fait face à l'intimidation et partage ses gains en aidant les plus démunis. En chemin, elle se lie d'amitié avec un garçon serviable qui vend aussi des journaux. Émanant toujours une lueur de positivité, la jeune fille exprime sa vision de combler le fossé entre le gouvernement et les citoyens vivant dans la rue. Le soleil est le gouvernement. Réchauffant le cœur et fort inspirant, La Petite Vendeuse de Soleil est, comme Djibril Diop Mambéty l'a exprimé, un hymne au courage des enfants des rues. Le film a remporté 8 prix, dont le prix du jury adulte lors du Festival international du film pour enfants de Chicago en 2000. Badu Boy, Le Franc et La Petite Vendeuse de Soleil, 3 chefs-d'œuvre profonds de Djibril Diop Mambéty. En plus de présenter au public un génie artistique, les films illustrent les qualités humaines qui ouvriront la route vers de meilleurs lendemains. Djibril Diop Mambéty a dit à propos de ces films, « J'espère que toutes mes histoires finissent par présenter une leçon pour la société. Mais il y a aussi une grande liberté dans ma façon de voir et de traiter les choses. »
En un mot, la liberté est ce qui caractérise ce que je fais. Téléspectateurs optimistes, merci pour votre agréable compagnie pour Scène de cinéma d'aujourd'hui. À suivre, c'est végétarisme. Le mot de vie noble, juste après les nouvelles déceptions. Ici sur Supreme Master Television. Que de nobles idéaux vous apportent satisfaction et harmonie. Optimistic viewers, thank you for your pleasant company for today's cinema scene. Coming up next is vegetarianism, the noble way of living, right after noteworthy news here on Supreme Master Television. May your noble ideals bring you contentment and harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/CS.